Un soir d'été, alors que je faisais mes recherches sur les cartes Pokémon. Hey, salut à tous les amis, c'est David Lavarge Pokémon. J'espère que vous allez bien. M'écouter, ça va super, ça va extrêmement bien. Je suis avec Miji Arashi. Ton univers bascula dans la quatrième dimension. Salut les bouts, c'est Noctis, j'ai créé ma chaîne YouTube dans l'objectif de partager avec vous ma passion inconditionnelle pour le jeu vidéo et la culture geek. Je considère YouTube avant tout comme un espace d'échange et de dialogue constructif. Je tiens donc à vous dire que jamais, au grand jamais, je n'aurais pensé faire une vidéo sur... les cartes Pokémon! Et ouais, j'ai à nouveau recontracté le virus que j'ai chopé dans les années 2000 alors que je n'avais que 11 ans. A tel point que j'ai décidé de me relancer dans la collection de ces cartes à jouer et à collectionner. Jouer et collectionner les cartes Pokémon, ce n'est pas qu'un simple hobby pour gamins prépubères. Et quand bien même, il faut tout pour faire un monde. Dans l'univers des cartes Pokémon, il y a un nombre de règles assez importantes à respecter et un nombre considérable de cartes à collectionner qui peuvent coûter très cher tant elles sont rares. Et là, je pleure quand je sais que je n'ai plus ma carte Dracaufeu holographique quand j'étais gamin qui coûte aujourd'hui 500 euros. Great job. Dans cette vidéo, je vais découvrir à vos côtés ma nouvelle collection de cartes à jouer et à collectionner. Nous allons ouvrir ensemble deux coffrets collector de cartes Pokémon Légendes Brillantes composés respectivement de 3 boosters. Allez mes petits hiboux, c'est parti! Mes petits hiboux, c'est parti, procédons à l'ouverture de ce premier coffret collector cartes Pokémon Légendes Brillantes. Regardez-moi ça, une magnifique carte Pikachu. Elle est de toute beauté. Il me tarde de découvrir également ce qui se trouve dans les 3 autres boosters qui composent ce coffret collector. Allons-y, procédons au unboxing. J'ai jamais vu une carte aussi belle de notre ami Pikachu. Elle est vraiment très 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 belle. Il s'agit d'une carte rare. Et je crois même que c'est une carte promotionnelle, si je ne dis pas de bêtises. Donc on peut uniquement la voir dans ce paquet, dans ce coffret collector. Ces boosters sont sublimes, et j'en ai un troisième, avec un Mew Shiny. Et oui, effectivement, quand Mew est sous sa forme Shiny, il est bleu et non rose. On a la carte code qui permet d'obtenir notre jeu sur le site pokémon.fr. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Ah là là, attendez, faut pas que je me spoil. J'ai vu que c'était de type électrique, faut pas que je me spoil. On va mettre les cartes à l'envers. Voilà, je te conserve petit Mew. Ok, donc là on a la carte pour avoir le deck... Enfin, le deck, le booster online, je la mets de côté. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses. Donc, si je me souviens bien, il y avait une manip particulière. C'était 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop, et hop. Très bien. Allez, c'est parti. Ok, on a un Poosipi. Ah, elle est plutôt atypique cette carte, je vous avouerai pas forcément être très très fan de ce dessin. Faut savoir qu'il y a de nombreux artistes hein, qui designent les cartes Pokémon, ce n'est pas souvent les mêmes artistes, mais elle est plutôt rigolote. Waouh, magnifique, magnifique, regardez-moi ça, on a un Zorua, vraiment, il est superbe, superbe collection. Un Négapi, ok, un Négapi, très bien, donc rien de fabuleux, ce qui est cool, on a le Poosipi, on a le Négapi, un Balignon, Balignon, très bien, un Lipoutou, quelle est moche cette carte, je suis pas forcément fan de cette carte, mais Lipoutou, hein, Pokémon de type glace, et vous voyez ici, il est considéré comme étant un Pokémon de type psy, donc effectivement ça change dans les jeux de cartes à collectionner et à jouer. Donc plutôt pas mal, on va continuer. Une énergie, c'est plutôt cool, une énergie psy, ça peut servir quand on a un Lipoutou. On a un super rappel, ok, très bien. Ouh là là, j'ai vu une carte rare. On a une carte dresseur Lily, donc oui, effectivement, la carte dresseur Lily est plutôt pas mal, puisqu'en fait, elle permet de piocher des cartes jusqu'à ce que vous ayez 6 cartes en main. On a la carte éleveuse de Pokémon,
Et il me semble que derrière, il s'agit d'une waouh, sublime carte Reverse Caïminus. Alors, pourquoi on appelle ça une carte Reverse? Puisqu'en fait, nous avons le Pokémon qui ne brille pas et le reste de la carte qui brille. Donc, il s'agit d'une carte Reverse. Si on avait eu le Pokémon qui brille et le reste de la carte qui ne brille pas, ce serait appelé une carte holographique. Donc voilà, je vous donne des petites astuces que j'ai apprises il n'y a pas très très longtemps. Et ce Caïminus est de toute beauté. Je le trouve vraiment sublime. Regardez-moi ça, comme elle est magnifique cette carte. Je suis très content, je vais la garder précieusement. Oh, oh la vache. Oh. Mewtwo GX. C'est pas magnifique. C'est une carte ultra rare. Donc là, je suis super content. Première ouverture de booster, mais depuis mes 12 ans. Et je tombe sur une carte ultra rare, Mewtwo GX. Et en prime, on a droit à ce magnifique Pins Pikachu. Regardez-moi ça, il est juste super beau. Il n'y a rien à dire. Ouvrons ce deuxième booster. Donc on va l'ouvrir proprement également. Mes petits bouts, c'est parti. Allez. Waouh, Matoufeu. Alors c'est une carte qui est commune, mais sincèrement, c'est l'évolution préférée des starters d'Alola. Bagiguan. Très bien, Bagiguan, ok, plutôt cool. Crocodile, cool. On a Caïminus en plus, donc c'est l'évolution de Caïminus. On l'a eu dans notre premier booster en reverse. Et là, cette fois-ci, on l'a en commune, mais c'est plutôt cool. On pourra faire évoluer notre petit Caïminus. C'est bien, ça se complète. Voltorb. Voltorb, première génération de Pokémon. Gringolem. Allez, une énergie, ok. Bagaïde, l'évolution de notre ami Bagiguan. Déplace dégâts, ok, carte dresseur. Tilly, piocher 3 cartes, ça peut vraiment servir en jeu, effectivement, quand on n'a pas assez d'énergie, quand on n'a pas assez de Pokémon, cette carte est plutôt bénéfique. Waouh, récupération d'énergie en reverse. Elle est plutôt jolie, il faut le reconnaître, j'aime beaucoup le visuel, très très belle. Allez, on continue. Oh, oh, oh la vache, je crois que je vais pleurer. Oh. Non mais sérieux. Attends là, je suis choqué là. Je viens d'avoir un Mew brillant. Oh la vache. Magnifique. Bon allez mes petits bouts, on continue, on ouvre les autres boosters. J'ai deux cartes brillantes, j'ai le Pikachu brillant et le Mew brillant. Enfin, le Pikachu, excusez-moi, hein, je vous dis qu'elle est brillant depuis tout à l'heure, mais je crois qu'il est holographique, hein, autant pour moi, il n'est pas brillant. Mais si on résume, j'ai eu une carte Mewtwo GX qui est juste sublime, et une carte Mew brillante qui est juste ultra rare. Waouh, 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 waouh. Ok, on regarde ce qu'on vient d'obtenir. Un Quillfish. Oh là là, ce Pokémon, mon dieu, il me rappelle tant de souvenirs. Oh, air bizarre. Oui, hein, vous le savez mes petits bouts, pour celles et ceux qui ont suivi toutes mes vidéos précédentes, notamment en lien avec Pokémon bien évidemment, je suis fan de Bulbizarre et de toutes ses évolutions. Chartor, ok, Chartor, sympa. Il a l'air d'être plutôt puissant. Bon, moi je suis pas fan de ce Pokémon, mais il est plutôt puissant, donc c'est cool. Bulbizarre. Oh, il est trop beau. Oh là là, voilà. Bon, écoutez, je peux mourir tranquille. Bulbizarre, mon Pokémon préféré. Voilà, allez, on continue. Pikachu! Ça tombe très bien! J'ai Pikachu brillant, mais je n'avais pas Pikachu standard. Donc écoutez, plutôt pas mal. Carte rare, carte rare. Énergie, plante! Bon, ça va être utile pour Bulby. Allez, on continue. Ouais, super rappel. Lily! Salut Lily, s'il te plaît, carte rare. Oh, j'ai vu une carte rare. Éleveuse de Pokémon. Très bien, je crois que c'est la prochaine. Je me suis spoilé. Oh! Oh la vache, on a eu le Caïminus en reverse. Et là, on a l'alligator en reverse, le dernier stade d'évolution de Caïminus. Regardez-moi ça. Le Caïminus, l'alligator. Elle est sublime. Allez. Oh, oh, je suis choqué. Mais c'est quoi ces ouvertures de malade?
J'ai un Rayquaza brillant. Non mais regardez-moi ça. Oh la vache. Hey, Space Soul, tu vas me détester. Tu vas me détester. Elle est juste ultra rare. Jugement céleste, 190 points de dégâts. Jamais je n'aurais pensé ressentir ça en découvrant des cartes Pokémon. Non mais je crois que là j'ai chopé le virus. Charès, merci. Grâce à toi. Oui, Charès c'est une amie youtubeuse et grâce à elle, on a eu à nouveau le virus des cartes Pokémon. Mes petits hiboux, dans ce dernier booster du coffret collector légende brillante Pikachu, on a obtenu un Rayquaza brillant et un Alligator Reverse. Waouh, magnifique. Eh bien, écoutez mes petits bouts, on va passer à la suite, c'est-à-dire l'ouverture de notre coffret légende brillante Mewtwo.